Pendant une heure, il va me guider les yeux fermés. Et on va voir, on va se trouver où à la fin. Je ne vois plus rien, c'est bon. Là, tu vois quelque chose ou pas? Non, je vois que un peu de lumière. Attends, déjà, parce que là, il sait très bien on est où, on le connaît. On va faire quelques petits tours de rond-point pour un peu le perdre, là. Mec, pitié, prends la prochaine sortie, j'en peux plus. Ah, à droite! Je veux que dans 200 mètres, tu prennes le prochain sens interne. Alors le but de la vidéo c'est d'arriver quelque part et pas de perdre mon permis tu vois. Par contre ralentis parce que tu vas bientôt tourner à gauche. J'espère qu'on va finir à Deauville. Ça continue à me dire droite et gauche et en même temps de ça, gonfle-moi ces ballons s'il te plaît. Mec c'est une vidéo où je te guide ou je suis ta pute là? C'est douteux, le titre est douteux. Attends là je vais où là? À droite ou gauche? Droite, droite mec. Par contre frérot juste le dis, t'es au courant que ça fait que droite, 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 on va arriver au même endroit à chaque fois. Non mais juste pour le préciser. Droite ou droite, okay. Donne le ballon à la dame qui est à droite. Bonjour, voilà un petit cœur. C'est pour vous, madame. Merci. Il n'y a pas de quoi, voyons. Bonne journée. À ton avis, elle ressemble à quoi? Vas-y. Oh, trop stylé. T'as entendu sa voix? Elle avait l'air assez jeune, genre okay. 25 ans max. Cheveux longs, lissés. Brune, blonde. Brune. Brune, ok. Ouais. Et elle devait être un peu ronde, pas trop. Attends, mec, je t'ai pas demandé de préciser ça. C'est hyper méchant ce que tu viens de dire là. Non, mais attends, on s'en fout de ça. Bah, la définition d'une femme, tu vois, c'est une grosse maigre. Mais en fait, t'es un gros con en fait, toi. Je me demande le physique. Tu vois que le physique, c'est ça? Elle était énorme. Sérieux? Non, je rigole. Non, c'était une meuf normale. Droite ou gauche, mec? À droite. Là, il y a une voiture devant moi. Je fais quoi? Je la dépasse ou je l'attends derrière elle? Tranquillement. Arrête. Oh, yes, des voies rapides. On est sur la voie rapide. Pas du tout, mec. Ah, mec, vas-y, je veux que tu prennes la prochaine autoroute. La prochaine personne que tu vas croiser dehors. Tu vas lui dire l'amour en t'aveugle. Attends là du coup je fais quoi là? Je vais à droite, à gauche ou tout droit? Tout droit mec, vas-y continue. Ah si, à droite, y'a l'autoroute à droite. À droite, vas-y, on est chaud. Oh putain. Fils de pute. La vie de ma mère, t'as fils de pute. J'ai vraiment flippé. Mec je fais quoi du coup? Sors. Droite ou gauche, droite ou gauche, droite ou droite, gauche. Droite. Oh merde, tu calais un peu. Putain, wow, mec, t'as oublié que j'avais un torticolis et tu viens de me faire très mal. Mec il me archi frais, je lui donne le ballon. Ah. Vas-y là. Ah ouais? Là? Bonjour madame! Est-ce que vous saviez que l'amour rend aveugle? Ouais? Y'a personne, wesh! Quand t'as un rond-point, tu prends la dernière sortie. Les gars, si vous aimez bien ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire, liker, commenter, parce que les gars, là on fait une heure, mais on pourrait faire ça sur 8 heures! Et voir, on arrive où sur 8 heures, les gars, ce serait extraordinaire! Alors, on va finir dans l'eau. Bonjour! Est-ce que vous savez que l'amour rend aveugle? Ouais. Je vous donne ce petit cœur. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Est-ce que vous saviez que l'amour rend aveugle? C'est quoi le délire? Bah en fait je donne des cœurs. Et je distribue de l'amour. Merci beaucoup. T'es aveugle là? Ouais. Là tout droit, droite ou gauche? Tout droit mes gars. Tout droit là? Pourquoi t'es timide comme ça là? Oh le con! Arrête! C'est pas drôle! Merde! A l'aide, on me kidnappe! J'ai peut-être plus la vue, mais j'ai encore l'ouïe et surtout l'odorat. J'avais oublié ce détail. Tu peux rester tout droit pendant 5 minutes, s'il te plaît? 5 minutes? Ouais. Ok. Regarde, dis-moi dès que c'est vert. Alors là, en fait, c'est soit à gauche ou à droite. Tu peux pas aller tout droit. Ah! Faut savoir que j'ai un torticolis. Ça me fait très mal. Oui, il a un torticolis, le pauvre. Pourquoi je sens ça? Putain! Droite ou gauche? Droite. Je crois que tout droit on peut pas vraiment y aller. Mais pas vraiment, mais essaye quand même. Ah ouais? Ouais. Wow. Je sais pas, tu m'emmènes où gros, mais. Non, vraiment, je sais pas. Non, t'as pas le droit de voir, oui. Mais je vais pas voir où je suis, ça passe à l'inter. C'est une fille, moi, gamin. Attends, on va aller l'attraper, il y a temps. Vas-y. Salut, petit, ça va? Vous allez bien, monsieur? Est-ce que vous passez une bonne journée? Ah, en fait, l'amour rend aveugle. Du coup, j'aimerais vous offrir ce cœur. Vous êtes parti là, monsieur, non? Monsieur, je sens que vous m'avez lâché. Ok, il y a un rond-point, je fais quoi? La première sortie. La première? Non, quoi que la deuxième, monsieur, je vais changer d'avis. Tant mieux, parce que la première, on allait aller au parking d'Intermarché. Mec, il y a un rond-point, je fais quoi? Tout droit, à droite? Vite, il y a quelqu'un. Excusez-moi, madame, je... Excusez-moi madame, je connais plus le chemin de ma vie. Et t'es vénère, je pense que je me suis un peu trompé, ça va. Salut, vous allez bien? Ça va, ouais. Ouais, en fait aujourd'hui c'est la journée de l'amour et comme l'amour rend aveugle, je vous offre des ballons en cœur. Bien vu. Mon ami m'a dit que vous étiez très beau. Toi aussi t'es beau mec. Ah merci beaucoup. Et l'aventure, elle va bien en plus. Merci beau gosse. Salut les gars. Bonjour, vous allez bien? En fait aujourd'hui c'est la journée de l'amour et comme l'amour rend aveugle, je vous offre des ballons en cœur. Ah, c'est gentil. Mais c'est rempli d'amour.
Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, au revoir. Le mec, il y a rond-point, je fais quoi? Rentre au milieu. Dors dessus. Allez, voilà la vidéo si je l'ai toujours pas vue. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amour et l'amour rend aveugle. J'aimerais offrir ce ballon en forme de cœur. Comment ça, non? Est-ce que je pourrais à la place avoir un petit bisou sur la joue? Qu'est-ce que vous voulez? Un bisou sur la joue. Oui. Ah oui? Il est parti, mec. Vous êtes dans la gova. Y'a pas de go là. Tout droit, y'a quoi? Y'a tout droit. Non, vas-y, première sortie. Première sortie? Ouais. C'était une autoroute. Moi, je veux qu'au prochain épisode, on change carrément de région. Et après, ouais, au troisième épisode, on change de pays, les mecs. Ouais, gros. Et là, on va passer, tu dis au mec, oh, beau gosse, les gars. Eh, beau gosse, hein. C'était totalement des vieilles. Y'a un point, je fais quoi? Dis-moi! Fais un demi-tour. Demi-tour? On va revoir les vieilles. Ah! Je cadre. Oh les beaux gosses! Elle m'a trop mal regardé! En plus, on se tape le feu rouge, putain! J'espère qu'ils vont en finir. Mec, aujourd'hui c'est la journée de l'amour et comme l'amour rend aveugle, j'aimerais vous offrir ce ballon en forme de cœur. Merci, c'est Léo. Non, je veux pas Léo, je veux vous, madame. C'est pas une blague, hein? Ah non, pas du tout. Waouh, vraiment. C'est votre... pas gentil. Bonne journée. Avec votre voix, je devine que vous êtes très jolie, madame. Bonne journée. Ça veut dire, me casse pas les couilles. Tout droit, droite, gauche. Tout droit, tout droit. Vas-y. Non, mais en vrai, tu voulais faire quoi là? Dis-moi, je vais où là? Tu sais quoi, je vais te dire au point jusqu'à temps que tu me dises pas, je vais où? Attends. Dis-moi, dis-moi, vite. Il me fait aller où là? Oh! Ah! J'aime pas. Oh, il grimpe! Non, non, non. Si, si, il grimpe! D'une manière, arrête. C'est un chien. Il est où? Attends. Vraiment. Ah! Non. Non. Non, arrête. Arrête, il y a des chiens. S'il te plaît! T'as pas le droit d'ouvrir, mec. Mais non, on n'ouvre pas la porte. C'est un petit chien, ça. Ah, c'est fini! On s'arrête ici. Non, non, arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Je t'ai coucou. J'entendais. Ouais, voilà, mec, alors on est vraiment dans une zone. Attends, le soleil, j'en peux plus. Le mec, c'est que le chien, en fait, c'était improbable parce que les gars, vous êtes pas au courant, vous. Vu. Sa phobie, c'est les yinches. Et du coup, non, c'est, oh, c'est parfait. Attends, il y a trop de soleil. Il va croire vraiment, il y a un truc. Et là, ouais, maintenant, j'ai une tour de divertissement à vous montrer. Wesh, on est au milieu de la campouse. Wesh. Jamais tu dis campouse, mec. On est où là? Attends. C'est quoi la ville? Ponto Combo. Ah, là, peut-être. Le Cuambri, Ozoir, la Fièvre. Le Lox, il est là. On n'est pas vraiment loin du Lox. Là, par exemple, on veut retourner au Lox. On met 13 minutes. Une heure de route pour être à 13 minutes de où on est parti. Voilà l'endroit. Regardez bien ce que j'ai prévu pour une fois qu'on arrive sur le lieu. J'ai pris des craies, on va dessiner au sol. Les gars, pour l'instant, on va commencer doucement. Donc le premier qui m'envoie une photo avec ça derrière lui, là, en fond, sur le sol, qu'il est venu à cet endroit-là, il gagne 50 euros. Les gars, c'est le premier épisode, donc ça veut dire que ça va monter. Quand on va faire 8 heures de voiture, les gars, ça sera peut-être 500 euros de PayPal. Oh, viens, fais un... Attends. Ouais, tu fais 3 traits, il y a déjà plus rien, genre. On va séparer en deux. Voilà. Et à droite, ça sera mes trucs, et à gauche, ça sera tes trucs. Je fais une manette. Par contre, évite de copier sur moi, s'il te plaît. Merci. Non, t'as pas le droit d'aller sur moi. Il y a un sunset. Eh ouais, on est des putains de créatistes. Ok, là cette voiture va faire un scorpion énorme. C'est quoi le scorpion? Le morpion. Ah oui, le morpion. Tout à l'heure il dit bien on fait un scorpion géant. Je suis en mode mais je sais pas dessiner de scorpion. Il parle du morpion. Ouh là là, je suis là. Merde. Maintenant, je te propose de faire de la raquette. Ok, non mais bon, pas d'effort aussi. Nul. Il est vraiment éclaté ce mec. Vous connaissez l'expression, ouais, t'as un trou dans ta raquette. Il en a vraiment... Merde, je vois qu'il en avait pas aussi. J'espère vraiment vous apprécier ce concept les gars parce que j'avais envie de mettre des petits concepts sur la chaîne aussi et pas que des gros parce que c'est plus facile à réaliser et surtout bah, comme ça je peux faire plus de vidéos. Donc dites-moi si vous aimez bien ça, on pourra en faire plus. Oh putain.
J'en peux plus de ce mec là. Bon les refs, j'espère vous avoir apprécié cette vidéo. Franchement, on arrive au milieu du trou du cul du monde. Et justement, ce concept là nous a amené à ce qui pourrait être marrant, c'est qu'à chaque fois on va dessiner un truc à la craie, on va s'amuser. Avec le premier qui prend une photo avec, qui habite à côté, qui a de la chance ou pas, et bah, y a un truc. Gagne un truc. Il y a un mec de la sécurité. Il y a un mec de la sécurité, il arrive. Grosse surtège. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Gros bisous. Ciao.